préparez vos parapluies. Il va pleuvoir, pleuvoir et pleuvoir encore plus aujourd'hui. Ma moustache va être trempée. Brrr, je ne supporte pas ce climat. Tout est humide et froid. Brrr. Qu'est-ce qui ne va pas, Samy? Tu as l'air très triste. Oh, eh bien... J'ai attendu patiemment, mais c'est inutile, Su. Tu attends quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on dit toujours qu'il y a un arc-en-ciel après la tempête. Ça fait des heures maintenant et devine quoi? Pas d'arc-en-ciel. Ça me donne une idée. Et si on apportait nous-mêmes l'arc-en-ciel chez nous? Allons-y. Attends, on peut vraiment faire ça? Je suis partant. Je suis tellement confuse, Su. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai pensé qu'on pourrait fabriquer nos propres bricolages arc-en-ciel. Ça te remontera le moral. Qu'est-ce que tu fais? Je publie juste en ligne. Hashtag arc-en-ciel et envoyer. Est-ce que tu utilises mon téléphone? Attends, c'est ça. On va fabriquer une coque de téléphone arc-en-ciel. Tu es un génie, Sam. Je le suis. Je veux dire, bien sûr que je le suis. Je sais exactement par où commencer et on aura besoin de notre pistolet à colle. Rendons-la super mignonne. Qu'est-ce qui est plus mignon que des cœurs amoureux, n'est-ce pas? N'oubliez pas d'être très prudent en utilisant le pistolet à colle, les amis. Waouh, j'adore ça. Ah, tu comprends? Attends, je ne peux pas voir. C'était une erreur. Très drôle, Sam. Pourquoi tu ne choisis pas les paillettes? Ah, ça va mieux. Maintenant, voyons voir. Eh bien, les paillettes, c'est ça. C'est le moment pour lequel tu t'es entraîné. Je veux que tu brilles comme des étoiles. Samy, la colle est en train de prendre, on doit faire vite. Oups, désolée, Su, j'essayais de faire un discours motivant. Continue comme ça, on a besoin de beaucoup plus. Vous l'avez entendu, les gars? Allez, allez, allez! Ouais! Je me sens tellement vivant! C'est comme une explosion de paillettes! Tu veux un peu de magie verte? Ou un scintillement de bleu? Ça va? On a déjà terminé le premier bricolage. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un bon début, non? C'est merveilleusement scintillant! Mais je veux plus d'arc-en-ciel! Ne t'inquiète pas, on ne fait que commencer! Où est-ce qu'elles sont? Je sais qu'elles sont quelque part par ici. Ah, tu cherches quelque chose? Mes pantoufles ont disparu, tu les as vues? Eh bien... Ah, c'est un véritable mystère qu'on devrait résoudre. Lâche-moi, Léo! Je les ai vues en premier. Ah! Bof, ça résout le problème. Je ne les ai pas vues. Pour de vrai. Attends. Ah! Je sais, on peut te faire une nouvelle paire de pantoufles, pas seulement une pièce. Hein? Une pièce? Qu'est-ce que ça signifie? Rien, oublie ça. On a besoin de plus de paille. Oh là là, allons-y! Fais-moi confiance, Suzy, tu vas adorer ça. Je pense qu'on a besoin d'un fer pour cette prochaine partie. Attends, pourquoi est-ce que je finis toujours par faire tes corvées? Est-ce que c'est ton astuce? Berk, quand est-ce que tu t'es lavé les pieds pour la dernière fois, Su? Berk! Hé, chut! Tout le monde regarde, c'est censé être notre secret. Continuons simplement avec le bricolage, d'accord? D'accord, mais on doit avoir une conversation sérieuse quand on aura fini. Waouh, elles ont l'air super! Merci, Samy! J'ai hâte de les essayer. Attends, est-ce que c'est la chaussette de Roger? Est-ce qu'une moufette s'est glissée dans tes chaussettes? Blah! Après l'incident de la chaussette, je ne prends plus de risques. Sam, de quoi il s'agit? Laisse tomber, on doit penser à quelque chose pour le prochain bricolage. C'est pourquoi j'ai ce livre. C'est là où je garde toutes mes idées de bricolage. Il pourrait y avoir quelque chose qu'on peut utiliser ici. Attends, je ne suis pas sûre de ça, Suzanne. Qu'est-ce que tu veux dire, Samy? Ton carnet est un peu ennuyeux. Donnons-lui une touche de couleur et de douceur. Waouh, tu as plein de bonnes idées aujourd'hui. On ferait mieux de noter celle-là dans le carnet, n'est-ce pas les amis? C'est Samy qui gagne le match. La foule se tait. Sam tire! Et il marque. Presque. Bien joué, Sam. Mais on va encore avoir besoin de beaucoup plus. Je m'en occupe, Su. Prépare-toi pour un super coup de pied. Ça arrive en force, Su. Yeah!
En voici un autre. Pfiou, c'était du travail difficile, mais j'ai réussi à coller tous les pompons sur le cahier. Oh, c'est parfait, Sam. Si doux au toucher et coloré. J'adore. En voici plus. Ah, j'ai oublié que le football s'est joué en demi-temps. On y retourne. Ah, oui. Un peu de vert ici et plus de vert là-bas. Ah, pas encore. Pourquoi ça continue de se produire? Ah. Ne t'inquiète pas, je sais exactement ce dont tu as besoin, Samy. On peut fabriquer un crayon arc-en-ciel. Il sera meilleur que n'importe quel crayon que tu as jamais eu. Je déteste dire ça ainsi, mais c'est noir et blanc. Pas pour longtemps. Allez, qu'est-ce que tu en dis? Oh, des projets artistiques, j'adore ça. Il est temps de changer de costume. D'accord, je suis prête. Créons un chef-d'œuvre. Quoi? Comment tu as fait ça? Pour être honnête, j'en ai aucune idée. Je viens juste de revenir là-bas et bam, je porte ça. Maintenant, on doit le plastifier avec cette feuille adhésive transparente. En attendant, tu peux travailler sur l'autre crayon, Sam. Ça accélérera les choses. Pas de problème. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? D'accord. Alors, comment ça va? Ça a bien commencé, mais ensuite, le papier a fait ce qu'il voulait. Aïe! Eh bien, maintenant, je sais ce que ça fait de se faire épiler à la cire. Tu as l'air tellement lisse, Samy. Chaque stylo a besoin d'encre, n'est-ce pas, les amis? Je vais juste le fixer en place avec du ruban adhésif. Voilà. Ensuite, on peut ajouter l'autre côté. Assure-toi simplement que ça tienne bien. Oh, on peut utiliser ça pour le remplir. Ça va dedans. Je vais avoir besoin d'un autre rendez-vous de cire après ça. Ne t'inquiète pas, tu as déjà l'air distingué, Sam. Toujours aussi élégant. Oui, oui. Voilà, on a fini le stylo. Oh, il est si doux. Waouh, je vais dessiner le plus beau arc-en-ciel avec ça. Non, non. Oh, pourquoi est-ce que j'ai acheté ces vêtements laids? Ah, pourquoi? Hé, hey, Samy, qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Je me prépare pour que la tempête se termine. Je dois avoir l'air bien pour rencontrer l'arc-en-ciel. Aucun de ces vêtements n'a du peps. Je pense que je peux t'aider avec ça. Faisons un t-shirt arc-en-ciel. Un t-shirt arc-en-ciel? Ça a l'air génial, faisons-le. On va commencer par étaler un arc-en-ciel de paillettes sur cette assiette. Continuons avec les paillettes et plus de couleurs aussi. Maintenant, on a besoin d'un t-shirt blanc uni comme ça. Oh, voici la partie amusante. Ça va devenir salissant, les amis. Oh oui, regardez ça, c'est comme si j'avais un arc-en-ciel dans ma main. Maintenant, je vais presser mes mains sur le t-shirt et... Ta-da! Un t-shirt arc-en-ciel avec des empreintes de mains parfaites. C'est incroyable, j'ai toujours rêvé d'avoir ma propre ligne de vêtements. Maintenant, regarde ça. C'est magnifique! Ce sera toute la rage à Paris. Mais qui va nettoyer ce bazar? Je dois y aller. Paris m'attend. Oh, où est Sam? On a une vidéo à terminer. Bonjour, Su. La semaine de la mode de Paris a été un énorme succès. Ils ont adoré le style par Sam. Oh, ces bijoux sont si lourds. Ouf, c'est bien mieux. Samy, tu ne peux pas simplement les jeter ici. Ils sont tellement jolis pourtant. Attends une seconde, ça me donne une idée. Ce serait un tel gâchis de les perdre. On a juste besoin de quelque chose pour ranger tes bijoux. Et un stylo 3D nous aidera. C'est génial! Su, laisse-moi essayer! C'est trop génial! Cet organisateur va être un chef-d'œuvre! Je suis comme le Picasso des stylos 3D!
Non, d'une pipe, je suis dans la zone. Donne-moi plus, plus, plus. Waouh, waouh, waouh. Quelqu'un m'arrête. Ah, je pense que je me suis laissé emporter. Il faut que je m'allonge. C'est bon, Sam, j'ai ça sous contrôle. Maintenant, faisons le pouce en vert. Faites cela soigneusement, patiemment, couche par couche. Waouh, c'est parfait! Mes bijoux auront fière allure dessus. Et ça gardera tout bien rangé et sûrement en ordre. J'ai fabriqué une main de rechange, si. Hein? Tu as encore plus de bijoux? Non, celle-ci est pour la table de chevet de Roger. Il va tellement avoir peur. Samy, non, reviens ici. Trop tard. Oh, allez. Samy, qu'est-ce que tu portes? Tous les bricolages m'ont remonté le moral et j'ai décidé, je sors jouer. Une petite pluie ne va pas m'arrêter. Oh, wow! Oh la vache, je ne peux pas croire ça! Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tout va bien? Waouh, c'est si beau! C'est glorieux! Allons-y, dépêchons-nous! À bientôt, mes amis! Au revoir, tout le monde!